Re tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 3 des vlogs au ski. Du coup là on vient de se lever, hier on vous a laissé sur le restaurant, on s'est régalé sauf qu'on était plein, moi j'étais limite barbouillée tellement c'était excellent. Moi j'avais pris tartiflette, mon chéri il avait pris la gardiane de taureau avec de la purée et on avait un peu de salade à côté et en dessert j'ai pris mandarine avec une panna cotta aux fruits rouges et mon chéri il a pris une mousse au chocolat. C'était copieux de fou et en fait on a trop mangé quoi. Donc je vous ai même pas filmé la fin, mais après on est rentré, on s'est couché et voilà, basta. Mais ce matin ça va beaucoup mieux, donc on va aller déjeuner. Il fait encore une super belle journée, c'est vraiment agréable d'avoir un temps comme ça au ski. Et après ben, on va aller skier, on va encore un petit peu s'entraîner sur les vertes pour le chéri, parce que c'est ses débuts, c'est normal. En plus aujourd'hui c'était la Saint-Valentin, on n'avait vraiment pas fait exprès en fait de réserver notre séjour pendant, mais on était trop contents quand on a vu que ça tombait pile au bon moment. Du coup on a prévu plein de choses en termes de photos, tout ça, donc on vous montrera un peu ce qu'on va faire. J'avais pris des ballons, tout ça, pour ceux et celles qui ont vu ma vidéo sur les cadeaux à faire pour la Saint-Valentin. Dans la neige et tout, ça va juste être trop beau, j'ai trop hâte, ça va être une super belle journée aujourd'hui. Let's go! Et le sol est tout enneigé le matin pour aller au petit-déj. Alors que la journée, il n'y a plus aucune neige ici. On est direct sur les pistes, quoi. Truc de malade. C'est trop beau. Il y a déjà du monde. Ouais. Et les gros stalactites. Impressionnant. On est dans le télécabine, dans les œufs, et on va monter, on va voir un peu ce qui se passe en haut. Là, il y a une piste, c'est juste abusé, moi je la fais pas. Je dirais une rouge. Ah, regarde, regarde, oui, le fond. On montre. Il y a des slaloms et tout, ça c'est pour les Jeux Olympiques, c'est pas possible. On est en plein dedans en plus. En tout cas, c'est trop beau. Peut-être qu'ils ont pas le droit de passer, si. Et ils se disent on le fait ou on le fait pas. T'as vu, regarde, ils se chient. Ah, moi je la fais pas. Hein. Ah, c'est fou, moi je le fais pas non plus. Là, moi je fais les verts et les bleus. Ils vont le faire, je crois. Oh, les malades. Ah ouais, il se lance de là? Ouais. Ah ouais, c'est vraiment les Jeux Olympiques quoi. C'est une blague. Non. Oh, oh les fous, ils vont à 2000 en plus. Non mais attends. Yeah. T'es prêt pour la roule? Sûr. Allez, vas-y. On a fait une petite pause, là on repart, ça y est, beaucoup de progrès déjà en un jour pour le chéri, donc ça fait plaisir, je suis très fière de lui. Regardez, il fait le fier en plus. Et regardez, on a fait des petits cœurs, mais ça ressemble à rien dans la neige pour la Saint-Valentin. J'ai fait celui-là, celui-là il est joli là-bas. Hop, là j'ai fait un tout petit, là j'ai écrit AE, et là Happy Saint-Valentin. Mais bon, on va essayer de faire ça à la station en bas, parce que là avec les chaussures de ski c'est pas terrible. Quand on va essayer de faire ça avec les moon boots, ça sera plus évident. On repart. Petit sauté de bois avec frites pour ce midi. Bon appétit. On est calé en plus en plein cagnard. Regardez, juste en bas des pistes. On profite à fond. Voilà les dessous d'Instagram, des photos Instagram. Non mais c'est trop mignon ce que j'ai fait. Bon, je vais l'enlever avant que ça s'envole, parce que bon, ça reste des pétales. On est notre chalet, comme il est trop beau. On a eu tellement de chance d'avoir un chalet rien que pour nous. Comme c'est magnifique. Oh, j'adore. Oh là là, maison en bois, hyper chaleureux, tout ce qu'on aime. Hey!
On va faire un petit tour, je vais acheter mes petits souvenirs, je vais acheter ma marmotte en peluche et les petits manuels pour mettre sur le frigo, donc c'est parti. Le petit, il y a le petit maman. Oh. Mes amours, on est rentré du shopping. Je voulais vous montrer les petits cadeaux souvenirs qu'on s'est achetés, hormis les cadeaux qu'on a pris du coup pour notre famille. C'est pas donné, mais voilà, c'est des petits souvenirs. On va pas souvent à la neige. Tout d'abord, j'ai pris ce petit magnète Pralou qui est juste adorable, donc avec un bonnet, un flocon et le haut du bonnet, le pompon qui est tout brillant avec écrit Pralou. Après on a pris celui-là, franchement j'ai trop craqué avec la chaussure de ski avec écrit Pralou en noir, comme ça il était canon. Je vous montre tout ça puisque le chéri est à la douche, après moi je vais à la douche, il est 4h15, après on a rendez-vous à 5h parce qu'on a fait une réservation pour le spa, donc c'était un petit plaisir pour la Saint-Valentin. On a privatisé le spa avec, je crois qu'il y a jacuzzi, il y a hammam et il y a sauna, donc ça va être juste super là, après avoir skié. On va se détendre après ces deux jours intenses. Après je me suis pris, donc ça j'ai pas pu résister, cette petite peluche qui représente bien la station Pralou puisque c'est un loup blanc, on dirait gros blanc. Il est magnifique et sa douceur est juste à tomber. Et voilà, je le voulais absolument. Il est trop choupi, ça me fera un joli souvenir. Et de toute façon, on a eu un coup de cœur pour cette station. On vous en reparlera à la fin. L'hôtel où on est, c'est un truc incroyable. C'est vraiment quelque chose de convivial, de très chaleureux. Les gens, ils nous tutoient et tout, les employés. Enfin, on se croirait vraiment en famille. J'ai repris un bonnet. Il était juste magnifique en rouge. Du coup, donc là, je ressemble à rien. Il faut que j'aille à la douche. Il est tout en laine, en grosse maille comme ça, avec écrit Pralou. Et tout à l'intérieur, il est tout mout-mout. On retrouve bien sur le devant la station Pralou avec les deux loups, le loup blanc et le loup noir. Mon chéri, quand il a vu, il m'a dit prends-le, il te va trop bien. Et c'est vrai, bon là ça va pas du tout avec le sweat que j'ai. J'ai pris, donc là j'ai pas pu m'empêcher de prendre cette petite marmotte. Je voulais pas repartir de la station sans acheter ma petite marmotte en peluche. Elle est juste magnifique. En plus j'ai adoré avec le petit bonnet rouge comme ça et l'écharpe rouge avec un flocon et écrit Pralou. Enfin c'est un rouge un peu corail orangé, j'aime trop. Elle est magnifique, voilà. Et elle est tout douce aussi, douce que le petit loup blanc là, c'est adorable. Je suis une vraie enfant, moi je ramène que des peluches. Et du coup après, donc dernier cadeau, je crois qu'on s'est pris, parce qu'après c'est les cadeaux pour la famille. Depuis le temps qu'on cherchait ça, et franchement c'est pas évident à en trouver des jolis, on s'est pris un porte-éponge. Bon, l'éponge est minable, hein, faudra la changer parce que c'était juste pour présenter, avec le bonnet, le cœur, les gants, enfin c'est canon. Et au moins on mettra ça dans notre cuisine. Sur ce, bon moi je vais aller à la douche, je vais me préparer et on va filer au spa. On est arrivé du coup dans le spa. Regardez comme c'est trop beau. Donc là, énorme jacuzzi. On rentre, je sais pas combien dedans. Je crois que c'est 4 ou 6 places. Là, vous continuez, ça c'est la douche. Là, il y a le hammam. Grand miroir, des fleurs. Ça c'est le sauna. C'est parti pour une heure de détente. Mes amours, quatrième jour, on vient de se réveiller et il neige. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ils avaient annoncé de toute façon qu'il allait y avoir un peu de neige à 8h et que ça allait être nuageux toute la journée. Donc en fait, on part à temps. Mais c'est trop beau, on voit enfin la station sous la neige. Regardez, on voit mieux, c'est trop beau. Beethoven dans la neige. Il est trop content. Il a fallu attendre le dernier jour pour qu'il neige. Je sais pas si vous voyez, mais c'est impressionnant. Du coup, on va prendre la route avec la neige, mais bon, c'est pas bien grave. Mais c'est juste trop beau. Et en plus, on a le chalet juste derrière. C'est la première fois qu'on a de la neige devant le chalet. Et là, tout est blanc. Je suis trop contente. C'est magnifique. Franchement, on a passé un séjour sublimissime. Et là, c'est rempli de poudreuse, la piste de luge où on fait la luge d'habitude. C'est énorme, j'adore. Hier, on a fait brûler pour la Saint-Valentin cette bougie de la marque La Rosée. Je vous avais déjà parlé de ces bougies. Et franchement, celle-ci, elle sent tellement bon. Elle a une odeur réconfortante. Enfin, franchement, c'était parfait pour la Saint-Valentin. Très chaleureuse et je vous recommande vivement. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Je vous en avais parlé à Noël. Vous savez, c'était la bougie reine qui, avec la mèche qui crépitait. Celle-ci, elle crépite pas, mais elle est vraiment parfaite pour l'hiver. Bon, ben maintenant, il neige toujours et on va aller déjeuner. C'est le départ et la voiture, comme il a neigé ce matin, mais il y a plein de neige. Donc voilà, on va devoir enlever tout ça. Heureusement qu'on avait relevé les essuie-glaces. Au revoir Pralou. C'est terminé les vacances déjà, c'était trop bien. On va faire un saut à Action à Sisteron, puisqu'en fait on passe à côté, on va juste sortir, c'est à la sortie de Sisteron. Du coup
qu'on passe devant, vu que nous on n'a pas d'action chez nous, pas encore. Ils devraient en ouvrir un à Brignoles cet été, mais bon, c'est pas dit encore parce qu'ils ont déjà reporté la date plusieurs fois. On a 1h30 de route à peu près avant d'y arriver. Regardez ce que ma maman m'a laissé comme mot. Non mais c'est trop mignon. Bienvenue chez vous, kiss. Elle est trop chou, cette matouze. Et quand on est rentré, elle nous avait fait des courses. Elle nous a offert du vin avec un cassoulet dans un plat et tout. Elle croyait qu'on mourait de faim. On est enfin rentré, je vous ai juste filmé. Donc on est passé vite fait chez Action. J'ai trouvé plein de choses, mais je vous ferai un haul à part. Parce que là franchement je suis cuite, on est cuit de chez cuit. On est rentré, ma mère elle nous avait fait des courses. Elle nous a nettoyé le jardin. Elle s'est occupée de Pacha et Moon, enfin elle a fait plein de choses. Donc déjà on lui fait de gros bisous, on la remercie infiniment. Puisque c'était en fait son cadeau de Noël qu'on parte au ski, et c'était juste génial. Donc merci la matouze, parce que je sais qu'elle passe par là. Donc on a retrouvé petit Moumoun qui est là, Pacha aussi, ils sont en pleine forme. On est trop contents, ils nous ont quand même super manqué. Ça fait quand même du bien de rentrer à la maison, même si le séjour était complètement fabuleux. Donc là, place au rangement, aux machines. En tout cas je vous fais de gros bisous, merci de nous avoir suivis durant ces 4 jours intenses qui étaient juste exceptionnels. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.